Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo pour faire un tuto cartes aujourd'hui. Alors dans ma série, on continue de prendre ce qu'on a sous la main en ce moment de confinement. On va faire une carte aujourd'hui avec... Alors l'autre jour, on a fait avec le papier de rouleau. Aujourd'hui, on va utiliser le rouleau de carton qu'il y a dans les papiers toilettes. Ben oui, on a fini le rouleau de papier, on va utiliser le carton du papier toilette, pourquoi pas. j'ai pas fait d'essai, comme d'hab, donc je vais faire les essais avec vous. Pour ça, alors, je vais utiliser un fond de carte comme ça, 10, 14, 10,5, 14,5. Donc, c'est les cartes actions, hein, il m'en reste encore, donc je les utilise. Je vais utiliser, bon, je prends toujours le même en ce moment, mon classeur d'embossage avec les cœurs. Je vais utiliser deux ronds, voilà, de découpe, alors les deux tailles intermédiaires. Donc moi j'ai cela et Cizik, voilà, et vous pouvez prendre ceux que vous avez sous la main. Hein. Donc il faut que ce soit les deux ronds, mais les deux tailles qui se suivent. Hein. Voilà. Voilà. Il faut que ce soit deux tailles qui se suivent. Comme ça, vous allez obtenir ceci. Ensuite, j'ai pris ben, rouleau de papier, enfin le rouleau de carton. Un premier dies. Alors, c'est à nouveau, je ne l'ai pas encore utilisé. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu. C'est un qui vient de chez Amazon, que j'ai mis un temps fou à recevoir. Pardon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En même temps, on verra s'il va bien. Bon, je n'ai pas encore tout mis autour de moi, mais je vais prendre du papier noir, certainement. Puis d'autres choses, voilà, on va voir au fur et à mesure. Comme d'habitude, je ne suis pas organisée. Alors, d'abord... On va faire nos petits ronds comme ça. Alors, pour faire nos petits ronds comme ça, là, pour vous dire que je ne suis pas organisée, je n'ai pas préparé mon papier. Je vais prendre une feuille de papier noir qui est dans ce bloc-là, qui commence à... Il n'y a bientôt plus en avoir. Alors, il me reste beaucoup le craft qu'il va falloir que j'utilise et le blanc. Je vais préparer ma colle que je vais avoir besoin. Donc, je vais utiliser celle-là aujourd'hui. Hein. Donc, là, je vais découper pour que ça rentre dans la Big Shot. Voilà. Alors, pour que vous voyez bien, comme d'habitude, je vais vous basculer. Hein, comme ça, vous allez voir tout ce que je vais faire. À tout de suite. Donc, voilà. On va prendre son papier. Alors, moi, j'ai choisi un papier noir. Hein. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Ou alors, attendez. Non, je vais changer. Je vais prendre un blanc. Pas s'inquiéter. Ça, c'est moi. Ouais, non, je vais changer. Je vais prendre du blanc. Donc, ça y est, le papier noir va me servir après, de toute façon. Hop, je le découpe. Voilà. Maintenant, on va placer nos carrés. Enfin, nos carrés. N'importe quoi, la fille. Nos ronds. Alors, je vais d'abord les coller, les fixer pour qu'ils aient toujours la même... parce qu'on va devoir découper plusieurs fois. Alors, pour être sûr que ça... Voilà, vous faites bien attention de bien les mettre.
vous mettez Yuashi. Comme ça, vous allez pouvoir découper plusieurs fois la forme sans que ça bouge. Attendez. Voilà, comme ça, vous avez votre gabarit et ça ne bougera plus. Donc, on va le faire sur la Big Shot. Bon, là, je ne vous montre pas, hein, vous savez comment on découpe sur la Big Shot. Bon, les petits ronds, on ne les jette pas, hein, ça nous servira. Voilà ce qu'on obtient. Et on va en couper plusieurs. Voilà, ça je garde, ça me servira pour autre chose. Donc voilà, là j'ai mes quatre ronds qui sont exactement pareils, ce qui va me faire une petite épaisseur. Vous voyez, donc c'est pour ça, vous pouvez en mettre plus si vous souhaitez. Là maintenant, je peux récupérer mes ronds, enfin mes cercles. Là, quand le washi est passé plusieurs fois, des fois ça colle. Bon, le petit, je le nettoierai après. J'ai besoin du plus grand. Voilà. Alors, on va prendre son rouleau. On va le couper en deux. Donc, c'est ce que j'ai déjà fait ici. Et là, on va faire un rond dans le papier toilette. Alors, soit que vous passez déjà dans le papier d'embossage, et moi, je préfère le couper d'abord. Alors, on le fait avec la taille du plus grand, hein, du plus grand rond. Alors, choisissez vos cercles par rapport à la largeur du tube de papier toilette, hein, surtout. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, c'est une chute, je peux la garder, hein, ça peut servir. Et voilà mon rond en papier toilette. Donc maintenant, alors je vais regarder quel côté je vais le mettre. Si je mets comme ça, ça va être... Voilà.
Donc, je vais essayer de ce côté-là. Donc là, c'est le dessin qui ressort. On va faire un essai comme ça. De toute façon, sinon, je changerai. Je vais voir par rapport au dessin où je veux le mettre. Voilà. Donc, je vais préparer ma big shot pour le classeur. Côté embossage, bien sûr. Ah, on va te tromper. Ah, j'avais oublié, regardez, j'avais oublié de nettoyer l'encre la dernière fois. Mais c'est rien, c'est sur l'envers. Donc voilà ce que ça donne, voyez, sur le papier toilette, enfin le carton de papier toilette. Bah, du coup, il restait un peu d'encre, bon, c'est rien, c'est pas un souci. Donc n'oubliez pas de nettoyer vos plaques quand vous avez fini de vous en servir. Et là maintenant, voyez, les ronds vont à la taille du carton. Donc, ce qu'on va faire, alors je vais prendre un, parce que j'ai toujours pas ici en haut, je vais prendre un brouillon. Ce que je vais faire, je vais coller mes cercles. Donc bien les coller hein, pour qu'ils soient bien, qu'on ne voit pas. Ah, puis j'ai mes mains pleines d'encre maintenant. J'ai pas de chiffon. Voilà. Le deuxième. Donc voilà, vous avez, voyez, ça fait une petite épaisseur. Maintenant, ce qu'on va faire, il faut qu'on le colle sur celui-là. Ah, j'ai dit. Mais ça, comme je vais coller un die, ça ne se verra pas. Prévoir des lingettes en haut. Il faut que je le marque. Voilà. J'espère que ma colle va coller là-dessus.
Voilà. Vous voyez, on a l'épaisseur, mais... Donc, on va laisser sécher un petit peu. Et je vais utiliser mon dies. Donc, pour utiliser mon dies, je vais reprendre des découpes. Enfin, des chutes. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on va découper la rose. Voilà. Et voilà ce que ça fera. Donc, on va essayer d'en faire plus. Donc j'ai mis 3 roses. Voilà. Donc ils iront comme ça. En forme de petit bouquet. Voilà. Bon, maintenant. On met les roses de côté. Ça, c'est bon. C'est collé, normalement. On va prendre la carte. Donc, ça, ça ira là. On va lui faire un petit fond. Un fond... Alors, quelle couleur je vais faire le fond? Si je le fais noir... Comme les fleurs sont noires. Bon. Ici, ma feuille n'est pas droite, mais non, c'est ce côté-là qui est droit. Alors, un crayon. Voilà. Et je vais mettre un autre fond en plus. Alors, attendez, je cherche. Je vais mettre sur l'envers. Donc, je compte à peu près 5 mm hein, de chaque côté en moins que le papier noir.
Donc voilà, j'ai mes trois couleurs. Et là, comme ça, ça va venir là. Donc je vais d'abord m'occuper de celui-ci. Alors, mon double face, il est ici normalement. Voilà. Donc là, je mets un double face normal, hein, le fin. Voilà. Voilà. Maintenant, on va mettre le rouge, mais on va le mettre en 3D. Donc, faire attention. Là, comme j'ai utilisé du cardstock, on fait attention de bien mettre l'endroit sur le dessus. Alors ici, on fait attention parce que le double face, une fois que ça colle, c'est mort. Voilà. Là, on va coller celui-là. Alors, je regarde comment je vais faire pour les roses. Donc, je réfléchis si je mets double face ou si je mets la colle ou les deux. je vais mettre du... Est-ce que je mets du gros? Là, je suis indécise. Allez, on va mettre du 3D. Je veux que ça colle bien partout. Voilà. Voilà. Donc si vous avez un motif qui a un sens, vous faites bien attention avant de le coller, de le mettre dans le bon sens.
Et puis là, comme c'est un rond, bah de le mettre bien dans le milieu. Voilà. Donc maintenant, j'ai perdu une rose. Mince. Ah non, elle est là. Il faut que je colle mes roses. Donc, je vais essayer de les refaire au stylo d'action, là. On verra bien. Un papier brouillon. Alors, attendez, je vais regarder où est-ce que je les colle. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais regarder. Alors, où est-ce que je les ai mis? Voilà. Mettre un petit nœud. Et on va mettre un petit sentiment. Ici. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, comme c'est bientôt la fin, enfin, c'est bientôt. C'est dans pas longtemps, hein. C'est au mois de mai, je crois, la bonne fête des mamans. Je continue sur bonne fête des mamans. Donc, avec les stickers peel off, hein, vous êtes plusieurs à me demander où, ça, où on en trouve. Donc, je vais vous remettre des liens, j'en ai déjà mis.
Mais je vais vous remettre des liens en barre d'infos où vous pouvez en trouver. Parce que moi, je les avais achetés dans des salons de loisirs créatifs. À une association qui est... Comment, qui se trouve, qui va dans les salons de loisirs créatifs. Donc, je vais vous mettre des liens de boutiques qui en font. Mais sinon, vous tapez sur dans Google Sticker Spill Off. Voilà, je vous le remets ici en bas. Et vous allez avoir toutes les boutiques qui en vendent. Si je me mets hors champ, vous n'allez pas le voir. Donc, les stickers spill off, comme ça, vous en avez toutes sortes. Hein, vous avez... des mots déjà préparés, comme ici. Vous avez des alphabets, vous avez des chiffres. Vous pouvez aussi avoir des petites images, enfin des petites formes, des fleurs, des petites choses pour les fêtes, genre Noël. Ah, allez, colle-toi. Ah, il s'est retourné. Bon, allez. Qu'est-ce qu'ils ont, les toutous, aujourd'hui? Ils sont pas sages. Donc, quand vous voyez que c'est déjà, que c'est bien droit et tout, ben vous, là, vous appuyez. Il y a une petite fleur, je vais la mettre. Je vais la mettre ici dans le coin. Voilà. Bon, là, c'est pas encore bien collé, hein, mais ça va sécher. Alors, hop, mes petites perles, comme d'habitude. Je ne vais pas en mettre des très grosses. Ça y est, ça commence, ça saute. Voilà, c'est ça que je voulais. J'ai trouvé. Eh bien voilà. Voilà ma carte avec du carton de papier toilette. Voilà, le petit neuneu va sécher hein, après. Donc, bonne fête maman. Voilà.
Allez, je vous change de position pour vous faire le gros bisou. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vous remontre la carte. Voilà, avec le carton de papier toilette. Vous voyez, on peut faire de jolies choses avec de la récup, hein, surtout en ce moment. Donc ben, j'espère que ça vous a plu, que vous allez en refaire. Donc bon, vous pouvez faire en carré, hein, en triangle, en étoile, en cœur, en tout ce que vous voulez. Là, c'est au-delà de votre imagination, hein, ce que vous pouvez faire avec. Mais voilà, alors je vous remontre ce qu'on a fait. Hein. Voilà, j'espère que ça... Oui, ça fait un peu le point, oui. J'ai enlevé ma tête pour que ça fait le point. Voilà, et le bonne fête, maman, lui, il veut pas faire le point. Bon, ça fait rien. Donc voilà, c'était mon petit tuto du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous en refaites un, bah dites-le moi aussi. Et n'hésitez pas à me l'envoyer par email ou par mon Facebook, si vous me connaissez par Facebook. Ça me fera très plaisir de voir. J'ai déjà quelques personnes qui m'ont envoyé leur créa, surtout avec le papier toilette. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, bah, je ferai un jour une récap par vidéo avec les photos que vous m'envoyez. Comme ça... ça me fait vraiment très plaisir. Et puis, ça permettra aux autres de voir vos créations, si vous voulez bien. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros poutous. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. À bientôt. Bisous, bisous.